Ula wala na te no ano weki me ma be na be me ne wala ma ah jamayi la no pe ma che mara jamayi la ye bor ba blam jamayi la des basso la ti lingam jamayi jamayi la no pe ma che mara Lorsque le sens réfléchit de l'homme sa foi, par des choses réticentes qu'il aura dû sur moi, l'eau silence devient une forme de force tranquille. Mon honnête et subtil trouve utile de ne point se taire devant cette situation critique. Alarmante, dont la problématique harcèle mes lyriques, voire dire l'homme, quand l'homme déteste l'homme, l'homme semble l'homme, dans les pénombres les plus sombres de la honte. Dans un monde où toi tu trouves ton compte, moi pas, trouve mon compte, même pas, dans les songes de la compte, que le compte souvent des compons. Il y a des hauts et des bas, cela ne gêne pas. Mais pourquoi y a-t-il des hommes chiens et des hommes rats? Cela ne nous avance pas. Des hommes à la proie, des femmes qui sont prédateurs. Arrachés à Paris, arrachés à Paris. Alors va-t'en, alors va-t'en, mais ma tour de la mapa. Jam jala, lioli, 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 yo. 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 Nous sommes à l'aube du troisième millénaire. L'homme habite dans le petit village planétaire. De parler de l'homme, sans couleur ni parler, mais hélas, ça me laisse de constater que rien n'a changé. Ok, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vais débuter dans une dizaine de minutes. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la basalité des États-Unis. Car pour qu'ils ne le savent pas, les États-Unis, c'est un pays bassa. Et les premiers habitants de ce territoire-là sont des bassa. Alors, nous allons parler, ça sera le sujet de ce direct aujourd'hui. Donc, je vais commencer dans une dizaine de minutes. Là, pour ceux qui sont déjà connectés, faites-moi savoir si vous pouvez effectivement m'entendre. Compare le passé au temps de Kunta et de Kinte. Les moralités à juger changer, de combattre, déménager de la pigmentation pour se réfugier dans la notion de civilisation. Une façon de dire le bon n'est pas le cochon, mais comme c'est le temps qui fait la chanson, et que de quel ton, moi je te pointe ce dicton. L'homme vole à l'homme, à l'homme, à l'homme, des bassons de la mamba. Jam jara, li oli 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 yo. 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 Oh, c'est l'eau, quand il n'y a pas d'aïne manqué. Oh, c'est l'eau, que j'ai cayenne manqué. Oh, c'est l'eau, ma tamana d'aïne manqué. Oh, c'est l'eau, bam, tout pour venir tout le bébé. Jamais il est le plus, ma chimara. 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 Jamais il est le plus,
Maïga ni Amantara, Meneve Maïga. Ok, pour tous ceux qui sont déjà connectés, je vais commencer dans une dizaine de minutes. Aujourd'hui, je vais parler de la basaïté des États-Unis. Car les premiers habitants de ce territoire-là sont bel et bien des Bassa. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la basaïté des États-Unis. Alors, la basaïté, c'est un courant d'idées et de pensées dont je suis l'un des pères fondateurs. Et ce courant de pensée soutient la thèse que nous sommes dans un monde Bassa. Tous les habitants de la terre sont des Bassa. Et il y a un seul Dieu qui est la grotte sacrée Ngor le Toba. Alors, je vais aborder le sujet dans une dizaine de minutes. Hein. On écoute encore cette chanson-ci. Je vais aborder le sujet dans une dizaine de minutes. Ok, je pense que je vais débuter. Alors, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui sont connectés au direct. Merci mon frère Parker Sloan, merci mon frère Osiris Longcat. Alors, comme je vous ai annoncé, aujourd'hui je vais parler de la basaïté des États-Unis d'Amérique, cette première puissance mondiale. Alors, la basaïté, c'est un courant d'idées et de pensées dont je suis le père fondateur, ou l'un des pères fondateurs, mais néanmoins le plus grand promoteur de ce courant d'idées-là. Alors, ce courant d'idées soutient la thèse que nous sommes dans un monde Bassa, tous les habitants de la terre sont des Bassa, alors qu'il y a un seul Dieu vénéré sous plusieurs formes, et ce Dieu-là est la grotte sacrée, la montagne rocheuse,
le rocher percé Ngorletoba au Cameroun. Alors, tout d'abord, avant d'aborder avec le sujet, je tiens à rappeler à tous mes frères africains, alors qu'il y a un livre qui sort de la grotte sacrée. Il y a un livre qui sort de la grotte sacrée dont les ancêtres m'ont utilisé. J'étais tout simplement le crayon. Alors, donc, c'était comme la truelle entre les mains de maçon. Alors, le livre est censé être publié le 15 juin. Alors, donc, je vais partager le livre avec vous. Alors, oui, comme je disais, oui, les États-Unis, c'est un territoire Bassa. Les premiers habitants de ce territoire-là sont des Noirs, sont nos frères Bassa, qui ont quitté le continent, il y a de cela 45 000, entre 45 000 à 90 000 ans avant les chrétiens. Alors, parce qu'on a tendance à croire que tous les Noirs, tous les Afro-Américains étaient des esclaves. Non, 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 ce qui est très faux. Tous les Afro-Américains ne sont pas venus, ne sont pas arrivés aux États-Unis enchaînés. Non. Ceux qui sont arrivés enchaînés, ils ont trouvé d'autres qui étaient déjà libres là-bas, aux États-Unis. Alors, on les appelle généralement les Noirs pré-colombiens, car ils sont là avant Christophe, avant que Christophe Colomb ne prétend avoir découvert une terre qui était déjà habitée. Car ça n'a aucun sens de dire que qu'on a découvert en fait une terre qui était déjà habitée, car vous ne pouvez pas découvrir une terre qui était déjà habitée par d'autres humains. Alors, et les Espagnols qui étaient parmi les premiers conquérants de ce territoire, lorsqu'ils ont conquis le territoire, ils ont cédé ce territoire-là aux Français. Ils ont cédé le territoire aux Français. Alors maintenant, en cédant ce territoire aux Français, il y a certains territoires qui n'ont pas cédé sur le titre de vendre. Hein. Par exemple, il y avait la Louisiane, hein, qui n'ont pas cédé, par exemple, aux Français. Il y avait aussi une partie de la Californie que les Espagnols n'ont pas cédé aux Français. Alors, et à leur tour également, les Français vont céder le territoire aux Britanniques. Ils vont vendre ce territoire également aux Britanniques. Alors, en le vendant aux Britanniques, eux aussi ne vont pas inclus, ils ne vont pas inclure dans le titre de vente la Louisiane. Ils ne vont pas inclure dans le titre de vente la Louisiane. C'est donc pourquoi nous disons que, en fait, que la Louisiane et certaines parties de la Californie ne font pas partie des États-Unis d'Amérique. Car ils ne faisaient pas partie du titre de vente. C'est donc pourquoi, et ces territoires-là étaient habités par les Noirs précolombiens, par des Bassa qui sont venus de l'Afrique. Alors, et ces Bassa-là, en 1991, ils ont gagné leur procès au tribunal. Hein, à la Cour suprême américaine, et la Cour suprême américaine a tranché que ces territoires-là ne font pas partie des États-Unis d'Amérique. Ce sont des territoires indépendants. Donc, ils sont victimes donc, d'une occupation du gouvernement fédéral. Alors, je vais faire une parenthèse. Hein, moi, je n'aime pas parler de la politique. Quand je suis un guide traditionnel, et nous on ne fait pas la politique, on appelle ça le mbangtiga, c'est-à-dire c'est un jeu de pions qui ne nous concerne pas. Mais je vais tout simplement faire une petite parenthèse. Alors, ces députés américains aujourd'hui, hein, qui soutient la désintégration de l'État camerounais, ceux qui disent aujourd'hui au Parlement américain que non, nos frères Bassa du Nord-Est, du Sud-Est doivent se constituer un État, ils doivent, ceux qui soutiennent hein, le séparatisme. Alors, ces députés américains, je les envoie aussi à soutenir la désintégration des États-Unis, car la Louisiane et certaines parties de la Californie ne font pas partie du territoire américain. Car ils ne faisaient pas partie du titre de vente. Lorsque les Français ont cédé ce territoire aux Britanniques, ils n'ont pas inclus la Louisiane. C'est un territoire indépendant. Ils sont victimes d'une occupation du gouvernement central. Alors, les premiers habitants de ce territoire-là, il y avait les Washinto et les Yamassé, qui sont nos frères africains.
de Bassa. Alors, Yama, c'est tout simplement c'est une mauvaise contraction. En fait, ça vient du mot Yambassa. Parce que ce sont des Bassa qui ont migré il y a plus de 45 000 ans avant les chrétiens. Plus de 45 000 ans, les premiers négroïdes, en fait. Alors, donc c'est en fait Yambassa, c'est-à-dire la traversée des Bassa. Mais au fil du temps, la prononciation a évolué et ça a donné Yamassé. Yamassé. Alors, maintenant, comment moi je vais démontrer cette bassaïté de ces Yamassé là? Alors, parce que, vous savez, au Libéria, en Sierra Leone également, il y a des Bassa. Alors, les Bassa du Libéria et de la Sierra Leone soutiennent que les Yamassé sont leurs frères Bassa. Les Bassa du Libéria soutiennent clairement que les Yamassé aux États-Unis sont des Bassa. Alors, étant donné que ces gens-là soutiennent qu'ils sont des Bassa et que certains Yamassé aux États-Unis se reconnaissent Bassa, alors on a tout simplement besoin de démontrer la bassaïté du Libéria. Les Bassa du Libéria, on doit tout simplement démontrer leur bassaïté. Alors, comme je vous ai dit, j'ai toujours dit ici, le mot ou le terme Bassa, c'est la contraction de Ba et Sa. Ba qui veut dire ceux de Sa. Quand Sa, c'était une ville au nord de l'Égypte. Hein? C'est une ville Bassa au nord de l'Égypte. Aujourd'hui, c'est Sa El Egar. Lorsque les Arabes ont venu, ils ont ajouté El Egar. Et Sa, qui est aussi Ilolombi, la divinité suprême. Hein? La divinité suprême vénérée par les Bassa. Ça qui veut également dire le rocher. Donc, ceux de ça veut tout simplement dire ceux du rocher. Bassa veut tout simplement dire ceux du rocher. Car cette divinité est représentée par le rocher, la grotte sacrée. C'est donc pourquoi cette grotte sacrée aujourd'hui est une terre sainte. Je pense que j'ai déjà expliqué ici à plusieurs fois pourquoi l'Église catholique romaine veut s'en accaparer de la grotte sacrée depuis 1958. Parce qu'en fait, c'est le Dieu vénéré. Alors donc, Bassa veut tout simplement dire ceux du rocher. Parce que nous sommes un peuple de la grotte, du rocher. Parce qu'ils le l'ont bien fait, a été découvert sur du rocher. Alors, vous allez mieux le comprendre lorsque vous allez lire ce livre qui sort le 15 juin. Alors, maintenant, il faut donc comprendre d'où sort l'expression Bassa du Libéria. Parce que les Bassa, à une certaine époque de leur histoire, ils avaient eu un leader au nom de... comment il s'appelait? Wenang Hanabo, qui était l'un des leaders, des anciens leaders des Bassa du Libéria, sous la famille des Krou. Alors, qu'est-ce qui maintenant se passait? Toujours au Libéria, maintenant, nous devons donc comprendre la mythologie des Bassa du Libéria. Parce que lorsque vous lisez la mythologie, parce que qu'est-ce qui constitue une tradition? Il y a le mythe, il y a les symboles. Alors, sur la mythologie des Bassa du Libéria, ils vont vous dire ceci. Que à un certain moment de leur histoire, ils avaient eu un roi ou un leader qui s'appelait Mbo. À un moment donné de leur histoire, les Bassa du Libéria avaient eu un leader ou un roi qui s'appelait Mbo. Alors, ils s'appelaient tout d'abord, c'est donc pourquoi les Bassa du Libéria s'appelaient d'abord Mbo Nyobe, c'est-à-dire ceux de Mbo. Alors, à l'arrivée des Européens au Libéria, alors cette dernière-ci devait donc faire du commerce avec les Bassa du Libéria. Alors, il devait s'entretenir avec le roi ou le leader Mbo. Étant donné que Mbo, c'était un leader, alors lui, il n'est pas censé de pratiquer une activité commerciale. Alors, Mbo va donc déléguer son représentant dans ce commerce entre les Européens et les Bassa du Libéria. Mbo va se déléguer son représentant. Et son représentant s'appelait Nso.
Le représentant de Mbow s'appelait Nso. Alors, maintenant, c'est Nso qui va donc faire le commerce avec les Européens au nom du chef Mbow. Alors, la mythologie dit ceci. Puisque c'est Nso qui représentait le chef Mbow, alors les Européens, eux, ils vont les appeler Nso de Nso. Ba Nso. Alors maintenant, lorsque vous allez plus loin, le rocher ambassade libérien, c'est Nso. Donc lorsque ambassade libérien veut dire le rocher ou la roche, il va dire Nso. C'est donc pourquoi les Européens vont les appeler Ba Nso. Ceux de la grotte, ceux du rocher. Alors, parce que à un certain moment, les Bassas du Libéria ont voulu dire qu'ils n'ont aucune connexion avec les Bassas du Cameroun. Et lorsqu'on a donc étudié l'anthropologie, on les a fait comprendre que non, votre nom vient à partir d'un rocher. Et c'est ce rocher-là qui détermine tous les peuples Bassas du monde. Parce que Bassa du Cameroun veut aussi dire ceux de ça, et ça c'est le rocher. Alors, donc les Bassas du Libéria disaient que non, nous on s'appelle Bassa tout simplement parce que Nso qui représentait le chef dans le commerce. Donc c'était Basso. Et les Européens n'ont pas pu dire Basso, ils ont dit Bassa. On a dit tout simplement non, il n'y a aucune évidence historique qui prouve ce commerce-là. C'est tout simplement une mythologie. De la même façon que lorsque les Bassas vont vous dire qu'ils étaient poursuivis à un certain moment. Alors, ils sont entrés dans la grotte sacrée et que l'araignée est venue et l'araignée a couvert l'entrée de la grotte sacrée. Et lorsque les ennemis sont venus, qui suivaient le Bassa, ils ont vu qu'il y avait une toile d'araignée et ils se sont dit, alors, si les Bassa étaient entrés à l'intérieur de cette grotte sacrée, il n'y aurait pas eu de toile. Alors, ils ne sont pas là. Et la mythologie continue donc à dire ceci. C'est donc pourquoi les Bassa du Cameroun, les enfants de la grotte sacrée Ngorlutuba, ne tuaient pas l'araignée, car l'araignée est symbole de protection. Alors, il y a certains Bassa qui vont prendre ce conte de fées pour une réalité. Parce que lorsque vous allez à la grotte sacrée, vous voyez même l'entrée. Alors, l'araignée qui couvre cette toile, cette entrée-là, avec quelle dimension? Parce que vous voyez l'entrée qui est très grande. L'araignée avait donc quelle dimension? Vous comprenez donc tout simplement que c'est de la mythologie. Parce que ce qui fait une religion parmi les sept dimensions définies de la religion par Nina Smart, il y a la mythologie, le Ngengen. Parce que la mythologie, en fait, c'est une vérité banalisée afin qu'elle soit transmise uniquement aux initiés. Alors, donc les Bassa du Libéria ne peuvent pas aujourd'hui dans leur histoire prouver qu'il y a eu un commerce entre eux et les Britanniques qui a donné le nom Basso. C'est tout simplement une mythologie. On revient donc sur la roche que les Bassa du Libéria, eux aussi parlent du rocher. Mais maintenant que nous avons défini, nous avons démontré que les Bassa du Libéria sont bel et bien les mêmes Bassa de la grotte sacrée. Et que les Bassa du Libéria, eux disent que les Yamassé qui sont aux États-Unis sont leurs frères. Et que certaines parties des Yamassé reconnaissent une affiliation avec les Bassa du Libéria. Alors nous avons donc démontré que les Bassa aux États-Unis, que les premiers habitants des États-Unis qui sont les Yamassé sont tout simplement des Bassa. Ça c'est logique, c'est pas de la croyance. Donc c'est logique. Si A est égal à B et que B est égal à C, ça veut dire que A est égal à C. Donc le problème, il faut donc comprendre que nous avons des Ngengen, c'est des mythologies, et que ces mythologies ne sont pas, nous ne pouvons pas comprendre cette mythologie de façon littérale.
Donc, c'était donc ça le but de ce direct aujourd'hui, de démontrer la basalité des États-Unis, car les premiers habitants de ce territoire-là sont les Bassa, les Yamassé, qui veut tout simplement dire Yambassa, c'est-à-dire la traversée des Bassa, car ils vont quitter l'Afrique et migrer aux États-Unis. C'est eux qu'on appelle les Noirs précolombiens, car ils sont là avant Christophe Colomb. On les appelle les Noirs précolombiens et ce sont les premiers habitants de la Louisiane, ce territoire indépendant aux États-Unis, ce territoire qui ne fait pas partie de façon légale des États-Unis d'Amérique. Alors, donc, c'était ça le direct. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.